Ben écoute, on m'a approché et j'ai pas pu refuser, c'est tellement une belle cause. La cause de la santé masculine me tient à cœur. Ça concerne les hommes, ça concerne les ados, ça concerne les gars. Ah, parce que tu m'as tellement gossé que j'avais pas le choix. Je pense que la santé mentale, c'est un sujet qui est important. Je pense tout simplement qu'on veut démontrer qu'on a à cœur la santé mentale des hommes. Donc le Movember, en général, souvent c'est sur des problèmes de santé que les hommes ont vécu. Puis cette année, ça m'a séduit comme idée, justement, qu'on se concentre sur la santé mentale chez les hommes, la détresse psychologique que les hommes peuvent connaître. La réponse cliché va être mon père. Je crois que dans la base, mon père était un modèle. Les sportifs, le dépassement de soi, ça m'a toujours très appris. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu la chance de côtoyer beaucoup de gars qui ont été des modèles pour moi, mais à base, je pense que mon père, c'est un modèle exceptionnel. C'est sûr que mon père, c'est un modèle de toute façon pour moi dans ma vie. Mon père, mon oncle, un cousin, mais aussi il y a quelques professeurs, ça a été des mentors. Peut-être des coachs de sport, de hockey. Ben c'est drôle que tu dis ça. Mon père, il a toujours porté la moustache, sauf pendant un laps d'une semaine. Ah! Mon père en premier. Mon père qui était prof aussi, qui s'est toujours occupé de nous autres énormément quand on était petits. Souvent les hommes enseignants qui m'ont marqué. C'est-à-dire, j'ai eu un enseignant de 6e année, Claude Bussier, qui était incroyable. C'est un homme qui nous a fait voir un paquet de choses. Ben, ces personnes-là avaient de l'écoute. Il est honnête, il est intègre, il est authentique. Je pense que ça, c'est une super belle qualité. C'est un gars qui est authentique. Sa persévérance. Il était travaillant. Il a été souvent vu mon père avec 2-3 jobs en même temps. Une vie exemplaire, pratiquement, c'est dévoué à ses enfants. C'est des gens qui se dépassaient, qui se donnaient à fond dans ce qu'ils faisaient. Aussi, lorsqu'il y avait des problèmes, la façon qu'ils avaient de gérer les problèmes. Quand ça va pas, tu m'en parles à quelqu'un. Il va avoir plein d'imprévus, puis fonce là-dedans, puis va vivre l'aventure. Profite de la vie avant les responsabilités. De continuer de croire en ses rêves, puis que les journées vont bien en général, d'être heureux, de continuer d'avancer. De faire confiance à ce qui s'en vient, faire confiance à la vie, faire confiance aux gens qui sont là pour nous aider aussi, pour nous guider dans la vie. Est-ce qu'on va pas pousser le moustache? De refuser de se dire, regarde, c'est correct si je ne m'en pas avec certaines personnes et certaines personnes. Ben ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde et que c'est normal. La vie va bien aller malgré les difficultés, puis que si on a besoin d'aide, qu'elle le chercher. De savoir qu'on est là, je pense, c'est des fois, c'est même pas de parler, c'est juste de leur faire comprendre qu'on est là. Que c'est correct de ne pas être parfait, que c'est correct d'avoir des problèmes, que c'est correct de ne pas se sentir bien, que c'est correct de demander de l'aide, que c'est correct de ne pas comprendre, que c'est correct d'avoir des émotions. Que, je pense que c'est tout ça, tout cet environnement-là qu'il faut changer de notre côté. Puis qu'il y a des ressources, qu'il y a des gens qui sont là pour les écouter. Je pense que l'amour, en général, c'est pas à s'exprimer. Que ce soit amicalement, les élèves vont se parler de façon des fois vulgaire parce qu'ils s'aiment, mais c'est pas les vrais mots. On peut rendre au monde qu'on les aime, c'est pas fait. On est passé à travers les épreuves qu'ils vivent à leur adolescence et qu'on est peut-être là justement pour peut-être en parler. Je pense qu'il faudrait dire à nos jeunes de cibler des beaux modèles masculins. Puis de s'y accrocher, puis justement d'éviter les modèles masculins toxiques. Ben, un gars qui est fort, c'est un gars qui est capable d'accepter qu'il a des faiblesses. Je pense qu'il faut qu'il se sente bien dans ce qu'il est. Quelqu'un qui va être capable de faire face aux problèmes, puis de dire quand il a besoin d'aide. Aujourd'hui, un homme fort, c'est quelqu'un qui est capable d'être un modèle pour les autres. Quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui fonce. Avoir une forte personnalité, pour moi, c'est plus quelqu'un de fort que quelqu'un qui va être fort physiquement, nécessairement. Un homme fort, c'est quelqu'un qui est capable de passer à travers quand même certaines épreuves, qui fait preuve de résilience. Donc oui, qui connaît des difficultés dans sa vie, qui est capable de se relever de ça. Quelqu'un qui prend l'exemple par ses actions.
je vais prendre ma génération, mais tu sais, pourquoi on a de la misère, c'est que c'est pas mal. C'est pas. C'est difficile d'aller chercher de l'aide. Je pense qu'on a un héritage un peu de nos parents, de nos grands-parents qui n'avaient pas cette habitude-là d'aller chercher de l'aide. Ah, parce que c'est pas valorisé, parce que depuis toujours, on est drillé à faut que tu sois le meilleur, faut pas que tu pleures, faut pas que tu montres tes faiblesses. Tout ce climat-là, cette psychologie-là toxique. Parce qu'on a encore la mentalité que les gars sont doivent être forts. Donc forts, de pas en parler, de pas être capable de garder ça pour soi, de garder le combat. Ça sort des fois de n'importe quelle façon hein, quand t'es un gars, mais c'est pas parce que le problème est pas là. Au contraire, je pense que. C'est plus c'est le stéréotype qu'on se met, on donne. Être capable de mettre des mots sur les situations qu'on vit. Puis c'est parfois peut-être ça qui est difficile, de nous-mêmes reconnaître nos besoins, puis ensuite de dire comment on formule ça, puis à qui on l'adresse ce problème-là. Tu acceptes ta faiblesse, puis tu es capable de la partager. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, ben, je considère que quelqu'un qui a besoin d'un thérapeute sportif ou d'un physiothérapeute pour soigner ses blessures physiques, ben, il a besoin aussi d'un thérapeute pour soigner ses blessures psychologiques. Quelques-uns. Non, je vais être honnête avec toi, non. C'est spécialement aux hommes? Je pense pas. Je connais beaucoup d'organismes pour la santé mentale. Pour les hommes, non. Je pense qu'au contraire, c'est méconnu. Je dirais, le seul organisme que je connais, ce serait entre hommes. Très peu. En hommes, spécifiquement, très peu. T'sais, c'est sûr, si on va sur Google, on marque ressources pour hommes, on en trouve. Entre autres, mais la ressource pour hommes là, qu'on va financer. Ben, il n'y en a pas beaucoup, honnêtement, ici dans la région, mais il y en existait. Je connaissais déjà ressources pour hommes. Pour les hommes, là. Donc avant, November, je n'étais pas capable de donner, si on veut dire, les mots exacts. Justement, qui est ressources pour hommes de la Haute-Yamaska. Aux hommes, plus spécifiquement, non, mais je sais que Prévention Suicide qui travaille beaucoup là-dessus. Mais c'est souvent, je te dirais, des organismes qui sont peu connus, qui sont peut-être même sous-financés. Donc, salut! On t'attend le mercredi 27 octobre sur la main. Viens encourager les ambassadeurs de l'école JHL qui vont se raser la barbe pour garder juste une moustache pour accumuler des fonds pour l'organisme Ressources pour hommes de Granby. D'ailleurs, ils seront présents pour répondre à tes questions. Donc, les gars, en novembre, montrez-nous c'est quoi être un homme qui est fort. On t'attend. Salut!